Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Lesti passé. Eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais, pays a docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoua? Yes, sir. Tout le monde branche Teacher Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec cet aspect. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Lesti passé. Eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais, pays a docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoua? Yes, sir. Tout le monde branche Teacher Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord avec sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec cet aspect. Usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. No swell on our bag in the world for English, for sure in the world, for the world, for willing, sure and for good. Mes amis, pas qui fake là, non? André les teach, non. 34-99-70-70. Teacher Lesti, c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'archive nationale d'Haïti. T'as fait en 2012 et c'est l'ico original là. You know what I'm saying, baby? Afternoon, ladies and gentlemen. This is Teacher Lesti English Time from OE, Ole English Academy. But your speaker, this is Teacher Lesti speaking into the mic. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Salut, tout le monde qui branché Storm TV, alias ça. C'est émission pour là, émission préférée là, qui entre la KO. Donc, on est toute émission Storm, c'est émission préférée. Mais, alors, chaque gagnant, et même j'ai le moment au fond petit, chaque petit gagnant par eux. Donc ça lui même émission ça c'est émission qui vient de Montreau par l'anglais cap ranger bouchou sous parler déjà la ranger bouche là pour ranger langue ranger dans pour ça coche ça penche dedans ça penche dehors dans la anglaise là fait ça pour la ranger bouche pour donc nous responsable bouchou dans Storm TV nous responsable bouchou pour nous responsable bouchou sous compte nous bouchou sous compte nous ici dans Storm TV sous chaîne 2 pour nous normalement alors pour en anglais dans la langue anglaise bien entendu bouchou sous compte nous dans la langue anglaise la langue de Shakespeare donc bonjour bonsoir une fois de plus salut à tout le monde qui branché super branché nous félicitons parce qu'on compte qui station pour brancher chaîne 2 donc c'est Storm alors station alors thème qui signifie tourment donc qui signifie alors non-sens cap bay problème storm l'orage c'est fait orage bourrasque tourmente etc. Donc une fois de plus welcome to Teacher Lesti English Time. Teacher Lesti English Time c'est le nom de l'émission. That's the name of the show. So it's the first class show in Haiti and the spoken English reference on YouTube, hein? Donc c'est la référence de l'anglais parlé sur YouTube. Donc nous saluons tout le monde qui est là avec nous. En particulier, le directeur général, nous saluons. Nous saluons également ma joie comme émission sans pile, 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 pile. Que nous pablions, nous saluons. Nous saluons tout le monde qui suit nous. Et super branché. Et monde qui gagne goût encore. Qui compte qui chaîne 2. Hein, qui compte qui station pour vous brancher. Hein, Storm TV. Et puis qui type d'émission pour vous regarder, pour vous prendre 100 euros chez ta regarder. Suivre donc en passant nous dit ça nous t'a tête nous petit problème pour tout le monde qui nous t'a font gens là pour tout le monde qui a branché émission hein. Régulièrement qui fait avant hier nous t'a parlé de lundi et jeudi donc qui fait qu'on y a là nous font on effort sur mais pour tout le monde qui pas comme si pas qu'à brancher qu'on y a en direct qui pas qu'à suivre nous et donc à l'aise love look à brancher nous à partir de YouTube on est monté sur YouTube. Et puis, émission de Teacher Lesti English Time, on est monté sur YouTube et puis on tape Teacher Lesti English Time. Et puis, on dit, on a bâton chocolat. Et puis, on a besoin de tout courant, quel que soit le coup fait là. On a besoin de parce que Storm TV pense à la population.
font cours au pair avec nous mettre à vérifier pour nous ouais si est menti parce que nous même nous va menti dans somme à vérifier programme doctoral ça relé doctor's degree aux États-Unis il relé ça également PhD ou bien doctor's degree à vérifier pour nous faire à base doctorale ça veut dire c'est avec programme doctoral la point doctoral c'est avec eux même nous faire émission ça ça veut dire son anglais tout monde joine quand dit mon yo j'ai anglais dit là fairs please tout monde joine donc n'a pas rappelé encore c'est sept aspects qui gagnent dans programme doctorat c'est aspect usuel technique commercial biblique théologique britannique et américain donc c'est normalement soit vérifier ou après ne pas mentir normalement au supposé on dit cours d'anglais ça chose ça c'est la connaissance générale et puis n'a font révision générale sur ça noté ouais bien que c'est jeudi à premier cours là nous pour que j'aime commence à quoi noté dit ça donc avant hier c'était normalement c'était on intro donc monde qui gagne sur YouTube parce que nous gagne en pile view là sur YouTube moun ki gen tan ale après ça après le marquer intro ça veut dire c'est ton intro veut dire qui ça veut dire c'est pas on émission te dit nous ça c'est jeudi à nous te dit nous n'a démarré avec émission avec cours d'anglais alors émission te démarré mais cours pour qu'on démarrer c'est jeudi à nous commencer avec cours donc mais nous te dit nous pas de venir comme ça parce que nous connais nous tout actuellement la chita kay nous plume nous n'amène nous pas de quitter et nous pas de quitter sont pas écran rien du tout. Donc, nous avons une révision générale sur ça, nous avons ouais, avant hier. Nous avons une définition de l'anglaise, parce que normalement, n'importe quoi va prendre. Ou non, le secrétariat, il faut qu'on sache le secrétariat, vous dit. Et qui est-ce qui est le secrétariat, qui est le secrétaire, un secrétaire, non administration, ou bien non petite entreprise, ou bien non grande entreprise. Eh bien, c'est même gens, nous avons ouais, dit English, nous avons baouli, nous avons te normalement dicto moyo m'te pleo pour en français pour tout monde ka noter. English is the vernacular of England modified by the United States of America. English is the vernacular of England modified by the United States of America. Au contraire c'est ça noter gain. Et m'a prédit encore troisième fois. English is the vernacular of England modified by the United States of America. Donc ça veut dire l'anglais c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique. Donc ça c'est si m'a parlé de pays. Donc c'est même gens tout sous joindre ni comme ça c'est même bagala, il y a aucun problème parce que m'a pas avisé mon gagne déjà pour dire bon moi même c'est pas comme ça me gagne non ou après différence c'est seulement là qu'a un petit changement dans nos pays par exemple. Moi ba ou English is the vernacular of England modified by the United States of America. L'autre sopra jwenn nan ou ka wel English is the native language of the English modified by the Americans ou bien ou ka jwenn by the Americans ou bien by the American people. Ça veut dire c'est même bagay la. Ouais, gade ou après pa gon grande différence c'est seulement nos pays ou pas tande England ou pas tande United States. English avec vernacular changé. Parce que l'on parle de pays, on dit vernacular. English is the vernacular, c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre. Ça, c'est de pays à la m'a parlé. English is the vernacular of England modified by the United States of America. Ça, c'est de pays. Mais l'on parle de nationalité, et ça fait, ouais, la définition, c'est comme ça, littéralement. C'est comme si on te dit, l'anglais, c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique. Maintenant, c'est nos pays, il n'y a pas tant de français, et il est nos pratiques à Jules Tandé. Suivre. English is the native language, qu'on y a dit vernacular, c'est the native language, parce que je vais parler de nation, qu'on y a, de peuple, de mounio. English is the vernacular of the English modified by the Americans or by the American people. Ça veut dire là, ou après différence, c'est seulement sorti dans le pays, pas là. L'anglais, c'est la langue maternelle des Anglais modifié par les Américains. Donc maintenant pour dire les Américains, on peut dire Americans, on peut mettre ça directement dans Americans ou bien on dit by the American people. Ça veut dire au lieu de dire Americans qu'on y a SA, l'autre dit Americans, SA remplacé people. Et maintenant
m'ka dit American people, qu'on est American na vin jouer adjectif et puis cap qualifie people. Donc by the American people, les Américains, the Americans ou bien the American people, les Haïtiens, the Haitians ou bien the Haitian people, les Canadiens, the Canadians ou bien the Canadian people, the Dominican, the Dominicans, the Dominican people, ainsi de suite, etc. Donc l'anglais, c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique, ou bien l'anglais, c'est la langue maternelle des Anglais modifiée par les Américains. Puis hier, nous avons un peu de différence qui gagne. Et au niveau grammatical, terminologique, prononciation, etc. Donc, en passant rapidement, même si c'est une révision, donc il y a une différence au niveau grammatical. Par exemple, nous avons dit pour former négation, to have. En anglais britannique, on mettait not après. Pourtant, en anglais américain, on peut utiliser auxiliaire do plus not. Et à la troisième personne du singulier, on employait does plus not. Donc, exemple, sur I have, qui s'est figé, mais la négation dans l'anglais britannique, dans la grammaire britannique, la I haven't, I have not, I haven't. Dans l'anglais américain, dans la grammaire américaine qui j'ai obtenu, I don't have. Donc, don't, c'est la contraction de do not. La vinbo, I don't have. She doesn't have. Donc, c'est she, normalement, doesn't, qui s'agbaye, c'est does plus not. Donc, c'est does plus not. She does not. She doesn't. Donc, does not, c'est la forme simple. Doesn't, c'est la forme contractée. Donc, she doesn't have, ou bien she does not have. She doesn't have. She does not have. He doesn't have. He does not have. Donc, c'est ça au niveau grammatical, c'est un exemple que nous te prenons. Et puis, il y a d'autres exemples qu'on a gagné tant qu'on est au pied devant. Exemple, dans l'anglais britannique, l'air formé temps futur. You employ shall. Dans deux premières personnes, you I shall. You will, he will, she will, it will. Là, il y a huit premières personnes encore pluriel. Il dit we shall. Et puis, continue. Il continue avec you will, they will. Pourtant, dans la grammaire américaine, il est différent. C'est plus simple que ça. C'est will à toutes les personnes. I will, you will, he will, etc. Dans la grammaire britannique, les deux premières personnes ont bien should et puis reçu à would. Même j'ai noté, par exemple, shall will, c'est-à-dire I should, we should, et puis reçu you will, they will, etc. Eh bien, dans la grammaire américaine, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. C'est would à toutes les personnes. Donc, I should like, you would like, ça c'est britannique. I would like, we would like, you would like, ça c'est grammaire américaine. Donc, c'est la grammaire américaine. Donc, ça sont des exemples qui viennent à tête de Mokonia et que je n'ai pas pris avant hier, avant, et je n'ai pas plus, je dis à non, recap n'affaire. Ça veut dire la révision n'affaire. Donc, notez point exemple au niveau terminologique, ça veut dire, terme yo parfois qu'on change, yo compte pas même. Notez point exemple, hood, H-O-O-D, et puis bannet, en anglais britannique, donc terme nan, changer qui pas même. Notez point exemple encore dans orthographe, moyo, notez généralement, mot qui termine par R-E, yo, généralement, c'est graphie britannique et puis ça termine par ER, donc RE britannique, ER américain. Exemple, notez pour exemple center, center, TER américain, RE comme en français, britannique. Mais alors, phonologiquement, gonti modification, gonti différence, tout petit, gonti bas en plus. Dans la phonologie américaine, dans la phonologie, c'est quoi en passant? Parce que si je dis phonologie, il faut que la phonologie avait dit. Donc, la phonologie, c'est l'univers des sons, c'est l'ensemble des sons. C'est ça, la phonologie. Donc, phonologie américaine, il y a une règle que pas britannique n'a pas gagné. Qui s'allie? Depuis T, suive N, il perd la ville. Donc, c'est ça que fait, vous entendez, américain dit 20. Pourtant, il a dit 20. 20, 20. 20 américain, 20 anglais. Alors, il y a américain qui dit 20 tout, mais anglais pas dans 20 même lui-même. Internet anglais, britannique, internet américain. Internet, internet. Donc c'est simple. Ça c'est au niveau d'orthographe. Nous prenons notre exemple encore. OUR généralement c'est britannique et puis OR c'est américain. Exemple, nous avons favor, F A V O U R et puis favor
F-A-V-O-E-R, c'est la graphie britannique. Et puis favor, F-A-V-O-R, c'est la graphie américaine. Donc, pour ça nous dit graphie, là, on dit graphie, ça veut dire, bon, tu n'as entre graphie et orthographe. Orthographe, là, on dit orthographe, on dit raison grammaticale. Donc, son règle grammaticale, son point grammatical qui dit tel bagaille. Alors, qui dit mot ça, mais comment pour l'écrire? C'est ça, il y a orthographe. Mais là, on dit graphie, il n'y a pas aucun rapport à grammaire. Ce n'est pas grammaire qui passe l'ordre là, il n'y a pas l'écrit dans la tête, il n'y a pas l'écrit chef là. par exemple, ce n'est pas un règle grammatical qui dit pour favor écrit avec O-U-R. Pourtant, son règle grammaticale qui dit, bah, on va prendre un exemple en français pour nous comprendre plus facilement parce que nous faisons commencer. Léon Timoun fait comment ça va prendre parler ou pas qu'à blaguer gros bagay, gros question, gros mot dans l'oreille. Et nous prenons un exemple dans la langue par nous qui c'est la langue française que nous maîtrisons bien, nous parlons bien. Donc, on prend un exemple. Son règle grammaticale qui dit pour, par exemple, ok, son règle grammaticale qui dit pour P, d'où est point et muet. En français, alors. Et en français, nous y est. Ouais, son règle grammaticale qui dit ça. Mais c'est pas un règle grammaticale qui dit pour. C'est pas un règle grammaticale qui dit pour, par exemple, rocher. Rocher. C'est pas un règle grammaticale qui dit pour rocher avec ER. Ouais, donc c'est aussi simple que ça. C'est différent si il y a une graphie et grammaire. Par exemple, favor en anglais américain, F-A-V-O-U-R, en anglais britannique, et puis en anglais américain, F-A-V-O-R. Tout O-U-R comme suffixe, c'est britannique, généralement. Et puis tout O-R, maintenant, O-U-R égale à E-O-R, O-U-R, britannique égale à O-R en américain. Donc, favor, vous prononcez exactement le même genre. Favor, par exemple, on a un terme noté pour un exemple encore. Neighbor, c'est fille voisin, voisine. Neighbor, O-U-R, britannique, O-R américain. Donc pour moun ki pa branché, nous connais jodi a gran pile l'autre moun ki pa branché et puis qui commence à jouer nouvelle commence à privé dans oreilles. Donc c'est sûr que et puis ça nous pas fait joler sans pédanterie et Teacherless English Time, c'est émission qui pour gagner plus viewers sur YouTube. Ha, ça sans nul doute raison. Parce que nous gagne en pile haïtien pareil nous. Normalement qui toujours sur internet qui branché YouTube aux États-Unis nous gagne au moins 6 pays qui parlent anglais. Donc nous gagne en pile haïtien qui normalement les revenu au courant tomber sur émission ça tomber sur cours d'anglais ça sur YouTube. Ah, c'est sûr que gars YouTube pas gagne côté pour kembe non pour kembe ko ça parce que avantage gagné aux États-Unis les al nan cours d'anglais blanc pas connaît et non seulement pas connaît pas parler français créole tout. Donc c'est en anglais seulement sur fou gran pile bagay ou ta aimé connaît yo pa ka joini et là y a joini nan cours d'anglais ça k'a fait là nan Storm TV dans Storm TV y a joini dans Teach All This English Time. Ça veut dire que nous on même nous met dit trilingue Teach All This English Time li trilingue. Donc nous avons quand même dit nous avant dit nous alors m'a dit nous mais avant nous faire gain la prière universelle qui commençait par notre père qui est aux cieux. Nous gain prière ça grand pile monde qui pas connaître et quelle que soit tendance religieuse monde il pas connaître. Ça veut dire nous connaît j'aime se dire avec sept aspects dans programme doctoral là en anglais parmi lesquels. Alors, parmi les aspects, bien entendu, il y a, par exemple, l'anglais biblique et théologique. Ça veut dire « no limit », j'en qu'on dit, pas gain limite. It's unlimited. It's boundless. Ça veut dire la prière universelle, c'est pas religion. Non, nous-mêmes, nous avons fait à ranger bouchou, nos responsables bouchou pour nous faire parler anglais bien et même très bien. Non seulement pour parler très bien, pour parler bien, il faut qu'attendre étranger de la parler, mettre l'anglais de la parler. Ou même pas préciser si c'est américain, si c'est australien, etc. Même pas préciser. Comprendre parce que nous gagnons, nous connaissons nos grands pile pays dans le monde là au moins 5 à 6 pays langue maternelle c'est anglais, langue vernaculaire c'est anglais. Donc ça veut dire quel que soit pays qui parle anglais, quel que soit accent gagnant, eh bien l'accent
le plus beau, le plus intéressant, et l'accent le plus vaste, l'accent, par exemple, le plus incompréhensible, c'est l'accent américain. Ça veut dire soumettre les accents américains très bien. Pas grand monde qui parle anglais, ils vont pas comprendre. Ils vont dire t'es comme moi-même. Pas grand nation qui parle anglais avec les mots États-Unis, ils vont comprendre. Quel que soit monde, quelle que soit nation, ils vont comprendre. Donc ça veut dire et ça fait mettre un pile accent, mettre un pile accent sur l'accent américain, hein? Mettre un pile accent sur l'accent américain, son façon pour qu'à maîtriser très très bien et grand pile monde tout. Qui pourrait avoir un pile qui a sauté, qui a saisi, qui a étonné, qui pourrait qu'on y a allé à temps d'émission, qui pourrait la suivre émission sur Storm TV, et puis qui pourrait l'obliger qu'on t'y vette l'eau côté yo parce qu'il y a étonné, on bonne bagaille qu'on dit, et puis après, qui pas de bon. Quand on bonne bagaille qu'on a dit en anglais, on pourrait réaliser que qui pas bon, on a saisi, ou qu'on a fait Shelby. Donc en Haïti, quoi à l'étranger, et pour pas le saisir, donc on pourrait l'attendre là à travers l'émission. Et puis ça m'a demandé souple parce que Storm pan and bluff. Donc teacher listening English time pan and bluff. Ça m'a demandé s'il vous plaît toujours vérifier pour nous tout ça nous apprenons là dans cours d'anglais, vérifier pour nous côté vle dans livre la kawa, dans grammaire la kawa, dans dictionnaire la kawa. Moun ou bien aux États-Unis ou bien en Angleterre ou bien au Canada, etc. Donc, vérifiez pour nous, s'il vous plaît. C'est facile qu'on y avec ta technologie, qu'on vérifie tout ça nous dit là, tout ce temps de nous dit là, noter ou qu'on vérifie la CAO dans le livre ou bien déjà ou bien sur l'internet. Donc, c'est ça qu'il faut acheter smartphone, pas acheter smartphone, non? Bien cher et puis pour pas exploiter, il faut exploiter. Donc, nous allons tourner là avant pour nous démarrer avec le cours très activant, son on recap notre affaire, hein? Nous avons fait une révision et puis nous allons prendre une pause. Pour l'émission. Hein? Nous allons prendre une pause pour l'émission parce que quand il y a des gens qui disent mieux, ils m'attendent samedi dans ce spot-là. Alors, pour se poser l'émission, les Mazora disent en ponti sont. Et puis, ils ferment la guerre. Donc, ils m'attendent. Et ça fait, c'est lui-même qui prend avant, qui prend une pause pub ça. Et puis, tout de suite après, nous allons retourner. Et pour nous commencer avec quoi? Très activant. Okay? Thank you for watching. Stay tuned and catch you back in a few minutes. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Lesti passé. Eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazora? Yes, sir. Tout le monde, brechez Teacher Lesti English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, en pointisson. Teach. Speak to the world. No sweat on our bag in the world for English, for sure in the world, for the world, for willing, sure and for good. Mes amis, pas qu'il fait là, non? André le teach, non. 34-99-70-70. Teacher Lesti, c'est seul professeur anglais. L'État, il s'était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'archive nationale d'Haïti. T'as fait en 2012. Et c'est l'ico original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Lesti English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise, doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teacher Lesti trompe même blanc américain dans la langue anglaise qui est propre langue. On fait un petit temps pour nous voir si c'est menti. Teach,
Prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh, yeah, all these English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 40 Avenue, Martin Luther King, Delma 28B, Delma. At a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads. And I'm on the wrong side of my teaching English 20 experience for well. And guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita quoi le numéro 4 Avenue Martin Luther King, Delma 28B, tout près où t'en l'a dans Kafoua et Opoa. Et il dit, il y a plus que 20 ans depuis l'a enseigné anglais et garanti li bay nan OEA. Depuis ou pas parler anglais, la promet tout tout comme ou te bay la à tout comme déplacement. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Tout pays d'Haïti t'a man. We're back. And thank you. Thank you very much for staying tuned. Donc, merci pour ce que tu as branché. Mm-hmm. Donc, félicitations une fois de plus à tout le monde qui a choisi de suivre l'émission. Ça, ou pas regrette parce que il y a pile de bagages à apprendre, il y a pile de bagages à connaître tout. Et puis, qui n'est pas de bon à travers l'émission. Ça, stop, pense avec nous. Et donc, à travers l'émission, ça, si vous n'avez pas de gangles, vous avez une gangles. Si vous avez une gangles, mais anglais est malade, eh bien, c'est médecin nous ici en Storm. N'a pas soigné malade, n'a pas soigné bouche pour soigner langue, mouvement pour faire langue, mâchoire, on dit mon yon mâchoire en français. Et puis, donc, à dans tout, n'a pas préparé des de bouches en net sous compte nous. Ok, maintenant, j'en te dis, pour qu'à. C'est pas un bible n'a ouvert la caillou ou bien n'a ouvert là. ça veut dire le cours d'anglais est très très méthodique, hein, très méthodique, très pédagogique, très psychopédagogique également. Donc sans pas rendre compte, on va ouvrir 66 livres dans bible là. On va pas prendre sans pas rendre compte. Commencer dans Genèse, qui dit en anglais Genesis, arriver dans Apocalypse, qui dit en anglais Revelation. Genesis, from Genesis to Revelation. Donc, passer par Psalms, qui c'est Somme, hein, qui, bon, on dit, c'est livre, une dans livre dans la Bible, c'est livre dans la Bible qui est plus populaire. Donc, comment nous pouvons apprendre ça? C'est à travers des pensées morales, nous pouvons gagner. Donc, pensée morale, nous avons gagné une première pensée morale pour aujourd'hui. Hein? Donc, à travers pensée morale, nous ne sommes pas en compte. Et puis, on pourrait, comme on peut apprendre un bon terme théologique, un bon terme biblique, parce qu'il y a un terme qui est théologique, qui n'est pas biblique. Exemple, nous avons Trinité. Nous avons dit, nous avons un terme qui c'est Trinité. Terme ça, il est théologique, mais il n'est pas biblique. Terme ça, je n'ai dans la Bible, ou je n'ai dans la théologie, mais pas je n'ai dans la Bible. Ça veut dire, tant qu'aujourd'hui, là, nous pouvons commencer avec la première pensée morale, nous, qui c'est, nous je n'ai dans Jean. Chapitre 14 et puis le verset 6. Jean 14, 6. C'est là nous avons tiré, alors nous avons puisé toute pensée, pour tout dire en passant, toute pensée morale nous avons gagné, c'est dans la Bible nous avons tiré. Ok? Et là nous avons puisé. Parce que, pour qui ça? C'est parce que la Bible n'a pas qu'à nous mauvais conseils. La Bible n'a pas qu'à mentir, n'a pas qu'à nous mauvais conseils. Donc c'est ça que fait, c'est dans la Bible nous avons puisé. Mais d'abord, tout d'abord, il faut comprendre comment il dit pensée morale. Comment il dit pensée morale? En anglais, pensée morale là, c'est une abréviation après deux lettres, c'est M avec T. Maintenant, comment on dit MT en anglais? Très prochainement, nous allons apprendre l'alphabet ensemble. C'est MT. 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 M là, c'est moral et T là, c'est thought. C'est MT. M stands for moral and T stands for thought. Maintenant, moral, ça s'écrit comment? M-O-R-A-L. M-O-R-A-L. Ça, c'est moral, et puis TA, c'est thought. T-H-O-U-G-H-T. Moral signifie moral, et puis thought signifie penser avec accent aigu, E muet. Ah, ça, il est orthographe. Hein? Orthographe, parce que son règle grammaticale qui dit faut penser à écrit avec accent aigu, E muet. Raison. Parce que lycée, disons, féminin, les du genre féminin, l'obligé pas. Et maintenant, l'on dit moral encore en français, l'a écrit M-O-R-A-L-E.
l'aime dit nous MORAL là ça s'anglais nous MT c'est l'abréviation c'est une abréviation anglaise MT c'est une abréviation anglaise pas française MT dans MTA M nan c'est moral et puis TIA c'est thought moral en anglais écrit MORAL et puis thought là écrit THOUGHT en français ça signifie penser moral penser avec accent aigu e muet et puis moral avec e qui joue l'adjectif. Donc là, là nous dit pensée morale, en anglais c'est moral thought. Donc au cas dit l'abréviation c'est MT. Par exemple, si m'a dit la pensée morale du jour, la pensée morale pour aujourd'hui c'est en anglais m'a dit today's MT. Today's MT. Comment dit-on aujourd'hui c'est today et puis apostrophe s et puis MT. Il y a une exception dans cas génitif cas possessif avec expression de temps ou capable d'utiliser cas possessif, cas génitif, à l'aise en grammaire anglaise. C'est ça que nous dit today's empty nous considérer le temps qu'on va personnifier le temps commun. Today's empty signifie la pensée pour aujourd'hui, la pensée du jour, la pensée morale. Today's empty. Et puis, what time ça? Nous avons pour une vignette sur lui. Today, pas trop longtemps. Today, il a dit aujourd'hui, c'est today. C'est pas today, c'est today. On va y aller choix ça, on nous joigne la donne. Today, tonight, tomorrow, nous allons parler de yo. Pour mon cap, qu'on a dit tomorrow, yo. Pour nous faire connaître, c'est pas tomorrow, yo dit, c'est pas tomorrow, blandi. Donc c'est tomorrow, c'est today, tonight. Nous allons venir sur ça spécialement pour les gens du là, ou un programme complet là, hein. Sur la diction, en dandiction son science, où j'ai quatre éléments ça, prononciation, articulation, vibration, modulation. Ensuite, il y a l'intonation, il y a l'accent également de la langue. Il y a également tout ce qu'on appelle, il y a la phonétique, il y a la phonologie. On a touché tout point ça, il y a l'anglais britannique, l'anglais technique, l'anglais commercial, l'anglais usuel, l'anglais biblique, l'anglais théologique. Donc, c'est tout point ça, net. Ça veut dire le cours d'anglais, Teach All This English Time. Cette émission-là, normalement, c'est toute une université. Hein? Donc, c'est la connaissance générale. Hein? C'est la connaissance générale. Donc, maintenant, on a commencé à la première pensée morale pour aujourd'hui. Hein? Et nous, puis, Eli, today is empty, the first empty. Ça veut dire la première pensée morale. The first empty. And the very first empty. La toute première pensée morale, c'est une table en français. The very first empty. So today's empty is, John chapter 14, verse 6. John chapter 14, verse 6. Ça veut dire Jean chapitre 14, le verset 6. Jean 14, 6. Dans le langage courant. Donc c'est John chapter 14, verse 6. Bon, nous commençons avec livre ça. Ça fait un premier livre dans 66, ça nous dit 65. Ça fait un premier livre dans la Bible. Ou bien t'apprendre. Comment dit-on? Alors, nous connaissons 66 livres, j'en suis d'Italia. From Genesis to Revelation, de Genèse à Apocalypse. Donc, ça, c'est le premier livre à nous commencer, qui c'est John. Ça n'a pas de John. Grand pile monde qui dit John. Donc, c'est pas John. Qu'est-ce qu'on dit généralement? On dit l'anglais. Suri. Nous pas prendre type d'anglais, non, si c'est britannique, etc. Non. Généralement, la langue anglaise suri. L'anglais suri. Ça veut dire l'anglais ne se parle pas avec la bouche fermée, généralement. L'anglais ne se parle pas avec la bouche fermée. OK? Donc, l'anglais se parle avec la bouche ouverte. Avec, normalement, on sourire. Hein? Donc, anglais pas parler à dents serrées. Donc, c'est ça que fait. On dit, normalement, il écrit J-O-H-N. En plus, le monde qui par contre dit John. En plus, le monde dit John. Bouchant pas pointu, il pas longé. C'est pas John, mais c'est John. Au bas, son, mais la bouche ouverte. Avec la bouche ouverte, hein? C'est John. John, c'est John chapter 14, verse 6. Donc, ça, c'est la référence biblique. The first biblical reference we're having today. C'est John chapter 14, verse 6. Ça veut dire Jean, le chapitre 14, et puis le verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, en anglais, il dit, dans le verset 6, il dit, alors Jésus a parlé, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ça veut dire quoi?
Jésus qui a parlé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis c'est fait un pyramide net. Fait un dit, nul ne vient au Père que par moi. Waouh, ça a moi-même net. Je reprends en anglais. Jésus qui a parlé, et puis il dit, alors, début passage, pas comme ça, mais moi-même, je prends ça, mon besoin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça, il faut comprendre la Bible, il faut comprendre les versets bibliques. Jesus said to him, c'est comme ça qu'il a commencé. On connaît quelqu'un qui a dit, mais tu ne parles pas tout, il n'a pas dit tout. Non, ça, this one doesn't matter, right? So it doesn't matter. C'est pas la nouille, nous parlons. Jesus said to him, non, c'est pas ça qui est important, mais ça qui est important. I'm the way, the truth, and the life. Et puis il dit, il y a point, et puis il dit, no one comes to the Father except through me. C'est ça qui intéresse, non? Jésus qui a parlé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis pour le terminer, il dit, il y a point, et puis après point, il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est ça que belle là. Maintenant, dans Teacherless English Time à Storm TV, Channel 2, eh bien, nous pas enseigner mots d'anglais, nous enseigner anglais. Donc, nous enseignons anglais, nous formons en anglais, nous instruisons en anglais. Donc, nous pas enseignons vocabulaire, nous pas enseignons mots, mais nous avons un bon mot anglais, nous expliquons. Nous avons une bonne expression idiomatique, une expression simple, un saying, ça veut dire dicton, maxime, proverbe, nous expliquons. Donc, c'est même gentil, dans la Bible, nous expliquons le passage biblique. Attention, hein. Donc, nous pas enseigner mots anglais, il y a une différence entre enseigner mots anglais avec enseigner anglais. Donc, ce n'est pas les termes d'anglais qu'on enseigne seulement, ce n'est pas les mots d'anglais qu'on enseigne, mais on enseigne l'anglais tout simplement. OK, donc là, petit commentaire, non, petit méditation, nous souli. I'm the way, the truth, and the life. C'est nous remarquer ces articles définis, je suis le chemin, même en français, la vérité et la vie. Donc, ce n'est pas un chemin, une vérité, une vie. Ça veut dire Jésus dit lui-même, c'est lui qui chemin, hein? Lui-même, c'est lui qui vérité, hein? Lui-même, c'est lui qui vit. Hein? Et il dit comme ça. Pour les gens qui connaissent dit Jésus, pas Dieu. Jésus, c'est nous-mêmes, c'est même j'avais nous. Il dit, pas de monde, pendant qu'on dit, il n'y a pas Dieu, pas de monde qui a. Où est papa? Pas de monde, pas de côté qui a passé pour aller. Où est papa? Son papa, c'est pas lui. C'est ça que belle là. C'est là où je suis le chemin. Ça veut dire, c'est un seul qui gagne, pas de deux. La vérité, eh bien, sous besoin. Et marcher dans, j'ai encore dit, en sanctification, sainteté, eh bien, c'est Jésus vous gagne en avou. C'est lui pour accepter, d'après passage, sa passage a dit. Et le chemin, la vérité et la vie. Donc, on monde qui a besoin de la vie, hein, et la vie pour qu'on y a, et la vie pour le temps et pour l'éternité, et la vie pour toujours, eh bien, il faut qu'on accepte Jésus comme seul sauveur personnel. C'est sa passage a dit. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ça clair. I'm the way, the truth, and the life. Donc, nous ne pouvons pas tromper, nous ne pouvons pas mentir. Jésus, c'est intermédiaire. Nous-mêmes, et papa, nous. Jésus, c'est intercesseur. Nous toutes qui sommes sur terre. Donc, nous yun papa ou papa ça ne pas passer par lui-même, ça c'est sûr. Nous dans net. OK, donc kounya là nous fini avec nous fini ouais penser moi ensemble, on va le dicter nous pour moun qui m'te dit me connaît tout moun gen plus mieux dans main yo kayo. Kounya m'va dicter en anglais. En aller m'appeler pour avec patience, m'appeler pour m'appeler pour penser une dernière fois et puis m'appeler moi pour noter. Premièrement c'est wap noter John J-O-H-N. On va aller lentement pour capable noter. John, J-O-H-N. John. Et puis, on va mettre 14. Et puis, verset 6. Comment il dit Jean en anglais? L'écrit J-O-H-N dit pas fermer bouchon, c'est John, parce que l'anglais se rit. Comment il dit chapitre? Dans un livre d'apprentissage, lors d'un cours d'anglais, par exemple, livre observé, tant qu'on a eu, nous avons un livre nous utiliser, mais l'un a pu utiliser le livre, moi dit, we are in unit 1, we are in unit 2, we are in unit 3.
unit 4, unit 5, etc. Le c'est un livre d'apprentissage qui n'a pas par exemple avant de parler anglais. On dit chapitre ou dit unit, l'écrit UNIT. Ça c'est pour États-Unis, mais pour Angleterre, anglais ou même il plus utiliser lesson. On dit leçon 1 et comme tu as dit notamment leçon 1, lesson 1, américain même dit unit 1. Signifie chapitre 1. Lesson, l'écrit L-E-S-S-O-N. Pas confondu avec listen qui signifie écouter. C'est pas même chose. Écouter, c'est listen. Et pourtant, chapitre là, c'est lesson. Donc, anglais a dit en Angleterre, il dit lesson pour chapitre. Aux États-Unis, unit. Mais pour, dans la Bible, il y a une Bible dans mon langage, terme, jargon biblique là, la même lui-même, il dit chapter. Jean chapitre 6. C'est John chapter 6. C'est ça, non? Chapter 16. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est John chapter 13. Jean chapitre 14. On a dit John chapter 13. Maintenant, verset 6, c'est verse 6. Comment dit-on verset en anglais? C'est verse. Verse. C'est écrit V-E-R-S-E. Verse. Verse signifie verset. Chapter signifie chapitre dans la Bible. Et puis, ben, l'ipounon, c'est. Verset 6. Il dit, I'm the way. I am. I un chiffre mais et puis on va écrire I am après. The T-H-E. Et puis way W-A-Y. Virgule. The T-H-E encore. Truth T-R-U-T-H. Truth T-R-U-T-H. Virgule. And A-N-D. The T-H-E. Et puis, life. Je prends la première partie. I am the way, the truth, and the life. Je reprends pour vous. I, un chiffre mais après, soit écrit M, A, M. The, T-H-E. Way, W, A, Y, virgule. The, encore, T-H-E. Truth, T-R-U-T-H, virgule. And, A-N-D. The, T-H-E. Et puis, life, L-I-F-E. Point. Après, ça, après, point, on a écrit pour moi, no, N-O. One, O-N-E. Comes, C-O-M-E-S. To, T-O. The, T-H-E. Father, t'as une petite précision, oui? Father, F majuscule A-T-H-E-R. F majuscule A-T-H-E-R. Virgule. E-X-C-E-P-T. Except. E-X-C-E-P-T. E-X-C-E-P-T. Except through T-H-R-O-U-G-H. T-H-R-O-U-G-H. Et puis me, point. Me, M-E. Bon, ma propre tout pour souhaiter sur ton mot. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Petite précision, avant de quitter ce pensée à Father avec F majuscule signifie Dieu. Avec F minuscule, il signifie Père en français qui est synonyme Papa. Ou bien papi. Donc, father, avec F majuscule, ça signifie Dieu. Prochainement avec la prière universelle. La prière universelle, dans la Bible, nous joignons, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça veut dire même qu'on ça, grand pile monde qui va connaître. Parce que grand pile monde qui dit notre Père qui est aux cieux, qui n'est pas bon, et puis il en fait un, il est toujours fini par au siècle des siècles. Non. Donc, nous venons avec nous avons une qui plus récent, beaucoup plus récent qui fait modification fait la donne. Mais ou même c'est sûr que nous avons gagné. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Donc ça, c'est sûr que j'ai ça gagné. Mais nous gagnons d'autres là qui est plus récent.
qui fait vini modification fait fait la donne donc n'a vini avec pour vous sous peu et lui même c'est pas comme ça commencer lui même on our father our father in heaven ça pour première la même genre première phrase our father in heaven may your name be kept holy c'est comme ça lui même lié vous comprenez ainsi de suite donc n'a vini avec pour vous nous pas bien temps pour qu'on y a et puis chaque coup n'a démarré n'a commencé mission pour nous habituer avec pour nous venir maîtriser c'est avec n'a commencé n'a prier ensemble en anglais. La prière universelle qu'on joue dans Matthieu 6, 9, 13. Matthieu 6, les versets 9 à 13. Maintenant, un petit point, n'a pas jeudi. Tout le monde met goût de l'eau au bon côté parce que c'est un petit séisme qui a fait quand même. Donc, nous allons venir à point. Premier point, c'est le premier cours. Hein, c'est le premier cours qu'on a aujourd'hui. Attends, c'est le premier cours, OK? So this is the first class. It's the very first class, right? OK. Maintenant, premier bagage nous va dire. Nous t'ai commencé avec ça mais là n'a peu j'aime te dire avant hier c'était une intro. Mais maintenant, c'est le cours. Nous t'ai dit greeting. N'a pour réviser greeting G R E E T I N G signifie salutation et le verbe to greet G R E E T signifie saluer. Maintenant, le m'a fait salutation en anglais. Attendez bien oui. L'op dit bonjour, ou dit good morning. Et ou dit bonjour, ça good morning. Cool fait minuit jusqu'à 11h59. De minuit jusqu'à 11h59 du matin, qui soit dit good morning. À partir de midi, cool fait midi tapant. Jusqu'à ce qu'il fait noir, ou dit good afternoon. Et ou dit, maintenant à partir de l'obscurité, cool fait noir jusqu'à 8h59 du soir, ou dit good evening. Donc, c'est deux façons de dire bonsoir. Good afternoon, cool midi, et puis good evening, cool fait noir. Good evening, on finit à 8h59. Maintenant, à partir de 9h, on dit c'est good night. Ça signifie bonne nuit dans le sens au revoir. Maintenant, l'homme dit au monde bonjour. Aux États-Unis, le plus souvent, parce que c'est la plus fréquentée, aux États-Unis, le plus souvent, blanc pas dit good, l'anek dit morning, bonjour, morning. L'ab dit bonsoir, le midi, afternoon. L'ab dit bonsoir encore, cool fait noir, evening. Ça signifie bonjour, morning, afternoon, bonsoir, evening, bonsoir. Maintenant, si la pose aux questions, la demande comment y est. Ou dit how are you? Ou capable accentuer verbe là, ou capable accentuer pour nos sujets. Ou dit how are you? Ou dit tout how are you? Aucun problème. Mais maintenant, problème là, c'est comment répondre. Attention. Lo ap répondre how are you qui soit dit. Meilleure façon pour répondre how are you c'est qui ça? Le do how are you. Ou ap répondre ou ap dit I'm good. I'm very good. Première façon ka répondre, première réponse possible I'm good. Deuxième réponse possible I'm very good. Troisième réponse possible I'm great. I'm great. G R E A T. Ça me connait pas ka écrire mais pile vous. G-R-E-A-T, G-R-E-A-T. I'm good, I'm very good, I'm great. C'est qu'on soit qu'à répondre. Bien l'autre bagarre occasion, awesome, etc. Maintenant, nous pas saisir. Pas dit, alors, occasion, I'm fine. Occasion, I'm fine, mais I'm fine, non? Il y a l'autre sens. Qui l'autre sens il y a? Eh bien, l'autre dit « I'm fine », c'est comme si tu te dis « je ne suis pas sous ça, je ne suis pas content, je suis contrarié ». Attention. Donc, nous étonnés. Donc, ce n'est pas dit ou pas qu'il dit « I'm fine » ou qu'il dit « I'm fine », mais il y a l'autre sens. Donc, « I'm fine » ou plus, c'est ce que vous connaissez les English learners, ça veut dire « monde qui apprend par l'anglais », c'est ça que les EFL. English as a foreign language, ça veut dire moun kap apprendre par l'anglais, langue maternelle ou pas anglais. Par exemple, en Haïti, c'est EFL. Parce que Haïti, c'est un pays anglophone. Et puis, soit vous apprendre par l'anglais, bien méthode pour là, dans la langue anglaise, ça l'appelle EFL. Donc, dans EFL, le plus souvent, English learners, je ça. C'est vous-même qui plus utilisez I'm fine. I'm fine. La réponse, how are you? Mais, native speakers, ça veut dire moun langue maternelle, t'as qu'on américain, par exemple, yon anglais. Les mêmes le plus souvent, là ils disent how are you, pas content, ils disent I'm fine. Mon plus tendé, ils même ils disent, soit ils se disent là, ou qu'ils disent I'm good, I'm very good, I'm pretty good, I'm awesome, etc. I'm okay, I'm all right, ils qu'ils disent tout ça. Donc how are you?
pretty good. Thank you. You. M'a dit mon nom et ou même m'a dit you. Ou bien m'a dit en langage qui est plus soutenu, yourself. M'a reprenne, good morning. Good morning. How are you? Pretty good. Thank you. You. Ou bien yourself. Ah, nous saisis. Ensuite, gon réponse sur même by so. Pas jamais dit expression ça encore. Expression ça pas existé aux États-Unis même. Ça c'est seulement en Haïti, ils utilisent expression ça. So. OK? Il essaie d'anglais, c'est seulement en Haïti et nous même nous anglais pas nous tout. On nous fait pile correction. Matin t'a fait qu'on a ouais, m'a dit ça. Et nous font pile correction, nous gagne pile et bah nous gagne baiser nous seulement dit oui. Exemple so, blanc par contre dit so. Mais c'est tout en Haïti, tout en dehors dit mon how are you? I'm so. Ça veut dire bon si vous chapé. Expression ça est seul nous même qui utilisons. Blanc pas connait so. On kon dit mon what's up? Hey, what's up? Et puis do I'm so ou bien do so. Non. Ça expression ça américain pas connait. Grand pile baiser n'a dit américain pas connait. OK. Donc c'est ça nous et point ça nous t'après jeudi à nos salutations. Premièrement, nous connais nous connait qui là nous capable dit good morning, good afternoon, good evening et nous connais nous ca dit tout morning, afternoon, evening qui plus familier aux États-Unis. Ensuite, le monde how are you? Et bien l'autre répond pas dit I'm fine. I'm fine veut dire m'chimé. Pas sous ça. Et comme Saint-François te dit je ne me sens pas dans mon assiette. Ça ne va pas pour moi, ça ne va pas du tout. Donc, pas dit I'm fine, les opposés aux questions, how are you? Mais dit de préférence, I'm good. I'm pretty good. I'm great. Ou qu'a dit tout ça, aucun problème. Mais pas dit I'm fine, parce que I'm fine, soit parler normalement, référence où c'est pays qui parle anglais. Moi-même, référence, moi, c'est États-Unis, parce que c'est blanc forme, c'est américain forme, même, c'est blanc forme. Même. Donc, ça veut dire c'est ça blanc, dim. Moi-même, moi dit. C'est ça, me tente de le dire, l'apprendre moi-même, moi dit. Pas dit, I'm fine, entendez? OK? Donc, how are you? Pretty good. Suffit très bien. You. Suffit et vous-même. Ou bien, yourself, qui est plus soutenu, et vous-même. Donc, prochaine fois, pour maintenant, on va continuer. Et puis, on va bonne bagarre, on va étonner. Il y a des gens qui ont dit, on va parler, on va pas utiliser slang. On n'a pas consacré les slang. Nous allons expliquer nos sacrés les slang. Et puis, pas gain. Aucun langue qui existe dans le monde là qui pas gain slang là-dedans. Donc na prochain numéro c'est ça nous voilà. OK? Donc c'est ça nous dou ici n'a pas nous bon un langage professionnel. À travers anglais pas prendre ici là, c'est sûr que ou après non seulement on parle anglais et puis souvent enseigner, on va enseigner, souvent traduire, interpréter parce que en plus fois on a venu avec des notions sur les techniques de traduction et d'interprétation. Donc thank you very much for watching. Teach or listen English time with Teach or Listen, your favorite English professor in Haiti, and then it's the encyclopedia of the Shakespeare's language in Haiti. And Teach or Listen English time is normally the spoken English reference on YouTube. And of course, Teach or Listen English time is the classic show in Haiti, the classic favorite. Your special English show in Haiti. And Oye, I'm from Oye. This is Teacher Olesi from Oye. Oye, Olesi English Academy. Olesi English Academy, do speak English, your money back. So this is the guarantee. Bye. Goodbye for now. And see you next week. Bye. Nous voyons pour une pause. Nous avons une pause et puis nous avons quitté avec pause. Pause pub. Tout pays d'Haïti t'a demandé quand Teach Olesi passé. Eh bien, Teach Olesi, professeur anglais pays, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazura? Yes, sir. Tout le monde, brechez Teach Olesi English Time sur Storm TV, chaîne de chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord, avec sur internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, en prontisson. Teach.
speak to the world. No sweat on our bag of the world for English, for sure, and the world for the world for willing, sure, and for good. Mes amis, pas qu'il fait là, non? André les titres, non. 34 99 70 70. 34 99 70 70. Teacher Leslie, c'est seul professeur anglais. L'État, il s'était médaillé en or et en argent à toute l'école. L'OEA pendant l'archive nationale d'Haïti, t'as fait en 2012. Et c'est l'ICO original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise, doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Olesti trompe même blanc américain en langue anglaise qui c'est propre langue. On font titan d'elle pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, Holistic English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 40 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, at a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of my teaching English 20 experience for well, and guarantee speak English your money back. Lidi, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti, qui chita kol, nan numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma, 28B, tout près où t'en l'es à la Kafoua ou quoi. Elle dit qu'il y a plus que 20 ans depuis qu'elle a enseigné anglais et garanti li bay nan OEA. Depuis ou pas parler anglais, la promet ou tout comme ou te bay la à tout comme déplacement ou. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70.